Dans un peu moins de 2 mois, le Tour de France débarque en Alsace. La Grande Boucle vient y passer 2 jours. Manuel Goetz, bonsoir. Vous êtes aux côtés du directeur du Tour de France, Christian Prudhomme. En effet, on est à moins de 2 mois du passage du Tour de France en Alsace. Forcément, Christian Prudhomme, il y a beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses ont déjà été faites et les collectivités qui travaillent sur le Tour avec nous savent faire. Mais je suis très content d'être évidemment ici en Alsace. 2019, c'est le centenaire du maillot jaune, mais c'est aussi le centenaire du premier passage du Tour de France en Alsace. Et c'est pour ça qu'on voulait absolument venir de manière marquante cette année. D'autant que le Tour en Alsace, ça faisait quelques temps que tu n'étais pas venu. Oui, 5 ans pour Mulhouse, 10 ans pour Colmar. Et on va venir avec 2 étapes, une arrivée donc à Colmar, un départ de Mulhouse, avec 2 étapes, 2 moyennes montagnes et une montagne dans ce massif des Vosges qui est magnifique et qui offre un terrain de combat pour tous les coureurs formidable. Justement, on va voir à quoi ressemble ce Tour de France 2019. C'est Grégory Fraisse qui s'y est collé. Un Tour de France qui penche à l'est. Le départ de la Grande Boucle sera donné en Belgique le 6 juillet. Les coureurs feront leur entrée en France et dans le Grand Est 2 jours plus tard, avant de retrouver l'Alsace le 10 juillet. Une étape Saint-Dié-des-Vosges-Colmar de 169 km, avec au programme de beaux paysages, le château du Haut-Königsbourg, de jolis villages, mais aussi les premières ascensions de moyenne montagne. L'arrivée à Colmar semble promise aux baroudeurs. Le lendemain, le jeudi 11 juillet, les coureurs s'élanceront de Mulhouse, direction la planche des Belles Filles. Une étape et un parcours très comparables à celui emprunté en 2014. Les choses sérieuses commenceront avec les montées du Markstein, du Ballon d'Alsace et un final un peu plus corsé qu'il y a 5 ans. Les Vosges donneront sans doute le ton de ce tour qui arrivera sur les Champs-Élysées le 28 juillet. Et avant les Champs-Élysées, bien sûr, il y aura donc ce passage dans les Vosges. On en parlait il y a quelques jours avec Thomas Voeckler, qui disait ça peut être piégeux parce que les coureurs sont pas forcément prêts pour être au maximum de leur forme dès la première semaine. Alors c'est une première semaine un peu différente de certaines autres années du Tour, avec effectivement une entrée en matière rapide, précisément grâce aux Vosges, avec cette étape faite pour les puncheurs jusqu'à Colmar, en passant par le Haut-Königsbourg, les 3 épis, les 5 châteaux. Et puis le lendemain, une vraie étape de montagne. La montagne, ça ne sont pas simplement les cols à plus de 2000 mètres. Le retour du Ballon d'Alsace, 14 ans après, et le final par la planche des Belles Filles, la super planche par le col de Chevrère, qui sera vraiment fait et faite pour les favoris du classement général. C'est un beau terrain de jeu pour les cyclistes, mais également pour le public. C'est un beau terrain de jeu pour tout le monde, dans des paysages magnifiques, avec ce que la télévision et France Télévisions peuvent et peuvent apporter au Tour de France, ces prises de vue aériennes qui font qu'on découvre et qu'on redécouvre la France, en plus de suivre la plus grande compétition cycliste au monde, le Tour. Il y aura beaucoup de monde, forcément. Vous êtes surpris de l'engouement qu'a le Tour de France ? Je me souviens, non, parce qu'on a l'habitude, on est toujours heureux. En revanche, je me souviens de l'étape de Colmar de 2009 qui s'est déroulée intégralement sous la pluie et des dizaines de milliers de personnes qui étaient là, qui attendaient des heures, qui étaient avec leur parapluie, qui étaient en train de se protéger, mais qui étaient là et qui applaudissaient les champions. On ne le sait pas forcément, mais Christian Prudhomme, il est d'origine alsacienne. En tout cas, il a des racines alsaciennes, donc vous êtes un peu chez vous, là. Les racines, en effet, puisque ma mère, ma sœur, mes grands-parents, mes oncles et tantes, mes cousins sont tous nés ici. Donc, bien sûr, c'est toujours avec plaisir que je reviens en Alsace. Ce Tour 2019, comment vous l'envisagez ? Comment vous le voyez, vous ? Une occasion à saisir pour tous ceux qui veulent faire tomber Chris Froome. Au figuré, naturellement, puisqu'il va tenter de remporter le Tour de France pour la 5e fois. Il y a une équipe Sky Ineos désormais qui est très forte. Il y a aussi des Français qui sont excellents. Il y a Romain Bardet, bien sûr, qui n'a pas fait podium du Tour 2 fois par hasard. Il y a Thibaut Pinot, l'homme de la planche des Belles Filles, qui s'est concentré sur le Tour de France cette année. Et puis on espère que dans la première semaine, un Julien Alaphilippe pourra nous faire rêver. Et puis il y a aussi Nibali, Dumoulin, blessé sur le Tour d'Italie, qui devrait se reporter sur le Tour de France. Bref, ça fait déjà saliver. Et on peut les voir tout devant sur les étapes alsaciennes ? Ah ben, je l'espère, ce serait bon signe, surtout à la planche des Belles Filles, puisque les Belles Filles, suivant la formule, savent toujours choisir leurs prétendants, et qu'à la planche des Belles Filles, à défaut d'avoir le vainqueur final, on a toujours les meilleurs du Tour qui se détachent. Il y a une vraie hiérarchie, sans gros écarts, mais il y a une hiérarchie qu'on retrouve pendant le Tour de France. Un pronostic, je ne peux pas me permettre de vous le donner, mais bon, si les Français brillaient, et surtout si on avait une course haletante, j'en serais évidemment ravi. En tout cas, merci pour toutes ces précisions, Christian Prudhomme. Et donc, le rendez-vous est pris. Évidemment, France 3 Alsace sera de la partie les 9 et 10 juillet prochains pour le passage du Tour de France en Alsace. Merci, Manuel Goetz. 10 et 11 juillet, hein, pour être précis, en Alsace. C'était en direct depuis Foudé dans la vallée de Schirmeck.